cardiovasculaire du petit matin. Donc, vraiment, sur tous les points de vue, actuellement, c'est l'un des les meilleurs arados sur le marché et des meilleurs antihypertenseurs. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Tamwinder, notre président. Merci. Good evening, distinguished doctors, our agency colleagues, doctors who are there as a part of participants, and our microlab team at head office, Gurgaon office, and in Francophone countries. It's a pleasure that we are gathered again today to discuss one of the most prevalent disease of Africa, not only Africa, worldwide, increasing tension, increasing blood pressure, and incidence is on rise. It's as much as 29-30% in different African countries. A lot of deaths are happening because of hypertension. I think we, as microlabs, the medical faculty, can join hands and treat the patients with products like Carbitel, Telmisartan, and many more products are there from microlabs, which are available at a very affordable price when compared with innovators. But more important is we should know the science. So let's visit together. We have eminent doctors who are the speakers, who are the moderator, and then we have also our own medical marketing team, Dr. Manjula, Dr. Harsha. So we all are here to discuss subject matter of hypertension, its treatment, and treatment with Arbitel. So thank you very much. I will not take much of the time. I would request our colleague Ashutosh to translate in French and then hand over to Dr. Manjula. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bonsoir tout le monde. Je dis bienvenue à notre conférencière des sessions d'aujourd'hui, le moderateur, notre partenaire promotionnel, notre équipe qui travaille toujours au terrain, les forces de vente, et tous nos participants qui sont aujourd'hui avec nous à cette session scientifique. Nous avons venu ensemble aujourd'hui pour discuter la maladie hypertension artérielle qui a une prévalence de 25 ou 30% et qui est fragile dans tout le monde. Aujourd'hui, on va discuter les conditions pathologiques de l'hypertension artérielle et comment on fait combattre, comment on fait le traitement pour gérer cette situation avec notre produit Arbitel qui est le Telmisartan. Nous avons une gamme large pour traiter cette maladie et ensemble, on va voir comment on peut faire, comment on va gérer cette chose. Nous avons les médicaments qui est dans le marché depuis des années et connaît pour son efficacité et qualité. C'est pour ça que je ne vais pas prendre beaucoup de temps et j'ai passé des paroles au notre Dr. Manjula, qui est le chef médical d'équipe Microlabs basée à Inde. Et on va discuter plus pour la situation pathologique et le traitement. Merci encore à tous les participants. Dr. Manjula. Thank you, Mr. Ashutosh. Thank you, Mr. Tavinder. Good afternoon, everyone. Good afternoon. And I welcome you all on behalf of Micro Knowledge Academy and Micro Labs, Micro Viva team for this very, very interesting webinar, which is titled Update on Hypertension and Cardiovascular Risk Management with a special focus on Telmisartan. So we all know that the global burden of hypertension has been growing over time, largely driven by population growth, changes in lifestyle, and aging. And hypertension is a common and important modifiable risk factor for cardiovascular and kidney diseases. And optimum management of hypertension is essential to reduce the cardiovascular risk and associated complications. And blockade of renin-angiotensin system is a very important approach in managing high blood pressure, and it has been increasingly shown to affect cardiovascular disease processes, which is mediated by angiotensin II throughout the cardiovascular and renal continuum.
Telmisartan is, which is an ARV, which display very unique pharmacological properties, which includes a longer half-life than any other ARV is available, that results in larger and sustainable reduction of blood pressure. And also, the powerful and sustained blood pressure control shown in clinical trials with telmisartan, together with the cardiovascular protection and tolerability. So today we are gathered here to discuss more about this and to get an update from the eminent faculty over here. Mr. Ashutosh, you can translate, yes, okay. Then I move over. Yeah. Bonsoir, je dis encore bienvenue à notre conférencière, nos modérateurs et tous les participants qui sont venus dans cette session scientifique pour discuter sur le sujet très intéressant. C'est la mise en jour sur l'hypertension et la gestion des risques cardiovasculaires focalisés sur la telmisartan. Le fardeau mondial de l'hypertension est augmenté au fil du temps, à grande partie raison de la croissance démographique, des changements des modes de vie et du vieillissement. L'hypertension est un facteur de risque modifiable, commun et important pour les maladies cardiovasculaires et rénales. Le blocage du système renin-angiotensine est une approche importante dans la gestion de l'hypertension artérielle, et il était plus démontré son effet le processus des maladies cardiovasculaires médiées par l'angiotensine 2 à la résine cardiovasculaire et rénale. Le telmisartan spécifiquement est un inhibiteur des récepteurs de l'angiotensine 2, RR2, présentant des propriétés pharmacologiques uniques, y compris une demi-vie plus longue par rapport aux autres RR2. Qui se traduisent par les réductions importantes et durables de la pression artérielle. Les contrôles poussants et soutenus dans la pression artérielle démontrent dans la salle clinique avec telmisartan et aussi qui perd la protection cardiovasculaire et bonne tolérance. Thank you, Mr. Ashutosh. I have the pleasure and the privilege of introducing the moderator of this session, who is a very distinguished nephrologist from Mali, Dr. Kalibeli. Sir is a doctorate of medicine at the Faculty of Medicine, Pharmacy at Mali. He holds a diploma of specialized studies in nephrology at the Faculty of Medicine and odontostomatology at specialization thesis depends on February 2015. Inter-university diploma in peritoneal dialysis at UFR Saint-Denis, France. And he has advanced specialized medical training diploma from UFR, again from France, and also former hospital intern from 2010 to 2014. He has several scientific achievements and activities, to name a few. He has participation in the 7th International Francophone HIV Hepatitis AFRAVIH Conference at 2014. And he was as an oral communicator and presentation in the first International Congress of Internal Medicine Society of Mali 2015, and also participated in the first International Congress of Malian Society of Cardiology in 2017. And sir is a member of several professional bodies, including member of many African rheumatology societies. Sir, it's a pleasure to have you. Most welcome to you. May I now request you take over the proceeding. Over to Ashutosh, then to you, sir. J'ai également présenté un grand plaisir et puis c'est un grand honneur pour nous pour vous présenter Dr. Kalibeli, qui est médecin spécialiste en néphrologie au CHU de Point-J, Bamako, Mali. Il a pris son doctorat en médecine en 2010 à l'Institut FMPOS de Bamako, Mali. Et il a commencé son spécialisé en néphrologie à la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako, mémoire de spécialisation soutenue en février 2015. Après, il a pris un diplôme interuniversité en dialyse péritonienne à UFR Santé des Seins en France. En 2018 à 2019, il a aussi pris un diplôme en formation médicale spécialisée approfondie de la UFR Santé des Seins en France. Il est aussi actif dans les choses scientifiques, comme il a fait une participation à la 7e conférence internationale de la francophone. Aussi, il a participé au premier congrès international de la Société de médecine interne du Bamako Mali en 2015. Il a également participé au premier congrès international de la Société malienne de cardiologie du Mali Bamako en 2017.
Et il est membre de nombreuses sociétés de rhumatologie africaine, de Bénin, de Côte d'Ivoire et Mali. Docteur Koulibaly, c'est vraiment un grand plaisir pour nous qui vous avez accepté notre invitation pour participer comme les modérateurs. Et maintenant, je vais vous passer la parole pour présenter notre conférence des sessions des scientifiques d'aujourd'hui. Bienvenue encore, Docteur Koulibaly. Et maintenant, vous avez la parole. Thank you very much, Mr. Atishos. Over to Dr. Koulibaly to take over and moderate the proceeding. Over to you, sir. D'accord. Bonsoir, Dr. Majoula, de me passer la parole. Je remercie tous les participants pour ce webinaire. Certes, je suis peut-être l'un des plus jeunes médecins en ce qui concerne les orateurs et les participants de ce webinaire. Je suis très ravi d'être parmi vous. Alors, comme le docteur vient de me le présenter tout de suite, je suis un des jeunes médecins du service de néphrologie, qui est passé par le concours d'internat. Et donc, jusque-là, je suis au service de néphrologie du CHU du Point G. Donc, en tant que modérateur, donc, je voudrais d'abord présenter mes aînés, à savoir le docteur Audrey Mokan, qui est une cardiologue qui fait partie de l'hôpital de médecine de l'hôpital de Yaoundé. Docteur Audrey Mokan Muntum est une cardiologue de longue avec un cursus académique qui est aussi très très riche et qui se bat au quotidien pour nos populations et surtout les enfants. Donc elle est cardiologue depuis 2016 et qui a participé à beaucoup de congrès, y compris le 12e congrès international de cardiologie, la Société de cardiologie camerounaise. Et également, elle a participé au congrès de la Société cardiologique ivoirienne en 2017. Donc, de par vraiment le parcours sans faute de notre docteur, Madame Audrey, qui est également chef de service de médecine interne, et qui certainement va nous permettre de mieux étiqueter ou de mieux décortiquer l'hypertension artérielle et en particulier dans notre population noire. Donc, en deuxième présentation, nous allons voir notre professeur, cher maître, Madame Tiaoui Mélanie, dont j'ai beaucoup lu à travers les articles et aussi à travers les collègues qui sont passés, qui ont fait leur spécialisation en Côte d'Ivoire. Cher maître, nous sommes très ravis de vous voir parmi nous, qui est une professeure agrégée, maître de conférence de l'Université d'Abidjan et qui participe à l'épanouissement de cette discipline et aussi surtout à la prévention de la maladie rénale. Donc chaque année, nous voyons ce qu'elle fait, comment elle se bat. Et c'est d'ailleurs l'une des directeurs régionaux du centre de prévention de traitement de l'insuffisance rénale. Donc, nous remercions notre cher professeur d'être là parmi nous pour pouvoir nous édifier sur la maladie, sur l'hypertension artérielle, en l'occurrence le rôle de l'ARA2, qui est l'un des ARA2, un des phares ARA2, qui est le telmisartan. Donc, sans plus tarder, j'aimerais peut-être qu'on commence, en tant que modérateur, qu'on commence ce webinaire à travers le docteur Audrey, qui va nous présenter le telmisartan ARA2, voilà, un des classes d'ARA2 de classe supérieure dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Donc, je vous donne la parole lors de mes chers maîtres, docteur Audrey. Merci. Merci, docteur Koulibaly. Je tiens d'abord, avant tout, à vous remercier à l'équipe Microlabs
une fois de plus de me donner l'honneur d'être conférencière. Je salue aussi ma copanéliste, cher maître professeur Tia. Et une fois de plus, merci à tous les participants à ce webinaire. Donc, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Donc, le Telmisartan, un ARA2 de classe supérieure dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Pour cela, nous allons aborder le plan suivant. Après des généralités, nous ferons de brefs rappels. Ensuite, nous parlerons de l'actualité sur la prise en charge de l'hypertension artérielle, à savoir les recommandations. Et ensuite, nous parlerons du Telmisartan ARA2 de classe supérieure avant de conclure cet exposé. Alors, en termes de généralité, l'hypertension artérielle, vous le savez tous, c'est un problème de santé publique. Je ne vous ferai pas l'offense de réviser la définition. Mais cela étant dit, c'est ce pourquoi nous sommes tous réunis. D'ailleurs, il y a environ 10 jours, on fêtait la journée mondiale de l'hypertension artérielle parce que c'est une véritable pandémie mondiale et ce depuis des années. Vous l'avez rappelé maintes fois en introduction, environ un adulte sur trois en Afrique subsaharienne est hypertendu, ce qui est énorme. Et les prévisions sont de plus en plus graves parce qu'en 2025, on pense qu'il y aura 150 millions d'hypertendus. Pourquoi est-ce une pathologie grave? Du fait de ces complications, on parle de « silent killer », ce sont des complications véritablement systémiques, à la fois au niveau du cerveau avec les AVC et les risques de démence vasculaire, au niveau du cœur avec l'insuffisance cardiaque, la maladie coronaire, au niveau du rein avec l'insuffisance rénale, les néphrologues reviendront dessus, au niveau aussi des vaisseaux, des membres inférieurs, des yeux et j'en passe. Alors, il faut savoir que dans nos pays, et là ce sont des chiffres du Cameroun, il y a environ 30% d'hypertendus. Et dans ces 30%-là, il y a seulement 27% qui sont au courant de leur statut tensionnel, qui se savent hypertendus. Dans ces 27%, il y a seulement 18% qui sont traités. Et dans ces 18%, il n'y a que 7% qui sont contrôlés. Donc cela montre à quel point c'est une pathologie non seulement sous-diagnostiquée, sous-traitée, et sous-contrôlé. Alors, pourquoi? Pourquoi? Comment expliquer ce mauvais contrôle tensionnel? Voici quelques causes que j'ai écrites ici. Je suis sûre que la liste n'est pas exhaustive, mais on peut avoir des causes liées au patient et des causes liées aux médicaments. Alors, concernant le patient, bien sûr, la mauvaise observance thérapeutique du fait soit d'un patient qui n'est pas compliant au traitement, d'un patient, comme on disait tout à l'heure, qui oublie son traitement, un patient peut-être qui manque de moyens financiers, un manque de disponibilité du médicament qui fait qu'il n'observe pas bien son traitement. Alors, une mauvaise tolérance aussi, notamment les effets secondaires. Et aussi, l'une des raisons, c'est aussi le fait que peut-être le médecin n'a pas pris en charge dans la stratégie thérapeutique la notion de profil du patient ainsi que des comorbidités éventuellement associées. Concernant les causes liées aux médicaments, il y a les dosages inappropriés, peut-être que le dosage n'est pas suffisant pour le grade de l'hypertension. Il y a la moindre efficacité sur la baisse des chiffres tensionnels à la fois systolique et diastolique. Le fait que le médicament ne couvre pas suffisamment le nyctémère, donc vous le savez, lors de la deuxième moitié de la nuit et lors du petit matin, il y a des pics tensionnels au cours desquels on peut avoir des événements cardiovasculaires, d'où la nécessité d'une couverture totale du nyctémère. Et aussi, l'une des causes, ça peut être un médicament qui n'agit pas suffisamment sur la rigidité artérielle, qui est très, très importante parce que la rigidité artérielle est à l'origine généralement de dysfonctions endothéliales et de développement de l'athérosclérose, qui est le primum obens de tous les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle en premier lieu. Alors, quel est l'arsenal thérapeutique disponible de nos jours? Ce sont les cinq classes thérapeutiques que vous connaissez tous, les bêta-bloquants, bien sûr, qui vont réduire la fréquence cardiaque, les antagonistes calciques, les diurétiques thiazidiques et bien sûr, les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, à savoir les antagonistes des récepteurs à l'angiotensine 2,
et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, nous sommes à l'ère de la bithérapie. D'accord, de plus en plus, les recommandations, vous le savez, parlent de bithérapie fixe qui serait idéalement introduite dès le début, dès qu'on a même une HTA modérée. Mais sachez que pour atteindre l'objectif thérapeutique d'une pression artérielle inférieure, strictement inférieure à 140 sur 90 mm de mercure, la monothérapie garde quand même une petite place. Nous le verrons tout à l'heure avec les recommandations, notamment quand le risque cardiovasculaire est faible chez un patient qui a une HTA modérée et aussi chez les patients âgés avec un risque d'hypotension artérielle. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir un antihypertenseur de classe supérieure? C'est-à-dire quoi? Un antihypertenseur qui assure le meilleur contrôle tensionnel et aussi, bien sûr, la meilleure organoprotection. Parce que vous êtes d'accord avec moi, il ne suffit plus simplement de baisser les chiffres. Ça, tous les antihypertenseurs le font. Il est maintenant question de prévenir les risques, les complications cardiovasculaires et de protéger les organes cibles, et ce, avec le moins d'effets indésirables. Alors, pour cela, il faudrait bien sûr que la demi-vie soit la plus longue possible. Il faudrait qu'il y ait une bonne biodisponibilité, une meilleure distribution du médicament avec une affinité maximale avec les récepteurs, nous le reverrons. Et aussi une tolérance, nous l'avons dit. Et bien sûr, l'organoprotection avec la prise en compte des comorbidités et du terrain. D'accord? Parce que nous savons que le sujet noir a des particularités, le sujet noir hypertendu. Alors, malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'études faites concernant le sujet noir africain, mais bon, on a des notions, bien sûr, sur le sujet noir américain. D'une manière générale, dans la population noire hypertendue, l'hypertension est plus fréquente, elle est plus précoce, moins bien contrôlée, et ce, du fait des comorbidités, des facteurs de risque cardiovasculaire qui y sont souvent associés. D'autre part, les complications sont beaucoup plus fréquentes, à type d'AVC, de mort subite et les autres. Au Cameroun, par exemple, nous avons une prévalence de l'AVC d'environ 25%, d'accord? Et la première cause, bien sûr, c'est l'hypertension artérielle. Le risque de développement d'hypertrophie ventriculaire gauche est très, très fréquent chez nos patients hypertendus, avec plus tard des complications à type d'insuffisance cardiaque. D'où, chez nos patients noirs hypertendus, l'intérêt des bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone à introduire précocement dans le traitement et préférentiellement en association. Aussi, chez les patients noirs hypertendus, les effets secondaires sont plus fréquents, notamment les effets secondaires des IEC à type de toux sèche et les effets secondaires des inhibiteurs calciques à type d'angioédème. Alors, en guise de rappel, nous allons passer rapidement, juste pour nos plus jeunes qui sont là, pour rappeler que la pression sanguine dépend de deux facteurs importants selon la loi de Poiseuille. C'est le résultat du produit du débit cardiaque et des résistances vasculaires. Le débit cardiaque lui-même est fonction de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique. Alors, la pression artérielle, elle est régulée par plusieurs mécanismes et celui qui est le plus important ici, sur lequel nous allons nous focaliser, c'est la régulation à moyen et long terme, à savoir le système rénine-angiotensine-aldostérone. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'angiotensinogène est synthétisé par le foie et sera transformé en angiotensine 1 par la rénine. D'accord? Et dans un deuxième temps, l'angiotensine 1 sera transformée en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion. D'accord? Et cette angiotensine 2 va se fixer sur les récepteurs AT1 de différents organes. Au niveau du cerveau, cela va entraîner une activation du système sympathique. Au niveau des vaisseaux, on aura une vasoconstriction. Au niveau du tube contourné proximal du rein, on aura une réabsorption à la fois du sodium et du chlore, ainsi qu'une excrétion potassique avec rétention d'eau. Et on aura aussi une sécrétion d'aldostérone qui va potentialiser, n'est-ce pas, la rétention hydrosodée. Tout cela va permettre d'augmenter la volémie, la perfusion glomérulaire et bien sûr
la pression artérielle. Et de ce fait, vous comprenez facilement que l'angiotensine 2 est très importante dans la stratégie anti-hypertensive parce qu'il suffit d'empêcher en fait sa fixation sur les récepteurs AT1 pour que cela permette bien sûr une réduction, une baisse significative de la pression artérielle. Alors là, on a l'ensemble des mécanismes, des bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, donc les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 vont donc être comme des inhibiteurs compétitifs de l'angiotensine 2 au niveau des récepteurs AT1 avec une forte affinité. Et d'autre part, on a aussi l'action des inhibiteurs de l'enzyme de conversion sur, bien sûr, qui vont inhiber, bien sûr, l'enzyme de conversion. Alors, nous remarquons ici que les ARA2 n'auront pas d'impact sur la voie des bradykinines. D'accord ? De ce fait, la bradykinine pourra se dégrader en peptide inactif et cela a un retentissement, notamment en ce qui concerne les effets secondaires. Nous allons observer moins de toux sèche, moins d'effets secondaires par rapport aux IEC, ce qui constitue un véritable atout. Maintenant, nous allons aborder l'actualité sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. Quoi de neuf? Eh bien, pas grand-chose. Déjà en 2015, la PASCAR, c'est-à-dire la Société panafricaine de cardiologie, stipulait que chez les patients qui ont une HTA grade 1 à 2, il est important de mettre une combinaison qui associe au moins un bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone. L'ESC, en 2018, a aussi stipulé la même chose, à savoir que, quelle que soit la forme de la bi, voire de la trithérapie, il faut à tout prix commencer avec un bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et récemment, en juin 2020, la Société internationale d'hypertension a adopté le même schéma thérapeutique, à savoir, il faut commencer par il faut en tout cas introduire dans la stratégie un antagoniste, un bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et je vous attire votre attention sur cette phrase, à savoir qu'il faut considérer la monothérapie, n'est-ce pas, comme on l'a dit tantôt, chez les patients qui ont une HTA grade 1 ou bien un risque modéré, faible, ou bien chez les patients très âgés ayant une tendance à l'hypotension. Tout ça pour souligner l'importance moindre, certes, mais quand même existante de la monothérapie. Alors, le telmisartan, nous venons au sujet du jour. Le telmisartan ARA2 de classe supérieure. Pourquoi? Eh bien, d'abord par ses propriétés pharmacologiques, comme le montrent ces différents graphiques qui ont été publiés dans le Lancet en 2000. Le telmisartan a des caractéristiques vraiment remarquables. Dans un premier temps, en ce qui concerne la demi-vie, c'est le sartan qui a la plus longue demi-vie, 24 heures par rapport à ses homologues. Deuxièmement, il a une affinité accrue aux récepteurs, notamment au récepteur AT1, donc 213 par rapport à l'olmesartan qui est à 163. Donc vous voyez que c'est quand même une affinité très 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 importante. Ensuite, il a une lipophilie très, très importante aussi, beaucoup plus importante que celui qui le suit directement, à savoir l'irbesartan. Donc, une forte pénétration dans le tissu, ce qui signifie qu'il a une meilleure distribution. Et aussi, le telmisartan est doté d'une activité particulière, c'est-à-dire que c'est un activateur de ce qu'on appelle les PPAR gamma. Alors, qu'est-ce que c'est? Les PPAR gamma, Peroxisome Proliferation Activated Receptors, en fait, ce sont des récepteurs nucléaires qui modulent la transcription de certains gènes. Il en existe trois types. Il y a les PPAR alpha, bêta et gamma. Donc, ceux qui vont attirer notre attention ici, ce sont la forme gamma. Pourquoi? Parce que les gènes régulés par cette forme-là sont impliqués notamment dans le métabolisme lipidique et glucidique. Et cela a un intérêt particulier chez nos patients qui ont un syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est très, très fréquent. C'est l'association, n'est-ce pas, de l'hypertension artérielle avec
le diabète, en tout cas une insulinorésistance et des troubles du métabolisme lipidique, ainsi qu'un taux de taille élevé et en fonction du sexe. Donc voilà, donc chez ces patients-là, ben, cette fonction-là, cette activité PPR-gamma, donc qui est conférée au telmisartan, est vraiment un atout, notamment chez nos patients qui ont plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, parce que cela va permettre une baisse significative de la glycémie, de l'insulinorésistance, de l'hémoglobine glyquée, ainsi que du cholestérol et les triglycérides. Donc ça, c'est un tableau récapitulatif de tout ce que j'ai dit tantôt concernant donc les propriétés pharmacologiques exceptionnelles du telmisartan par rapport à ses homologues. Et ce que je voulais souligner ici, c'est qu'il a une très faible élimination rénale. Donc, comparé aux autres, donc son élimination est essentiellement hépatique. Des études, par ailleurs, à côté de ces critères pharmacologiques, ont comparé les sartans entre eux. Et nous avons ici l'étude MIKADO, qui est une étude prospective multicentrique qui a été réalisée en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique du Sud, randomisée en double aveugle. Et il y avait deux groupes, dont un groupe sous valsartan 160 mg et l'autre groupe sous telmisartan 80 mg. Il était question ici de comparer la réduction de la pression artérielle systolique d'une part et de la pression artérielle diastolique d'autre part. Alors, qu'est-ce que disent les résultats que vous voyez ici? Le résultat est vraiment flagrant, n'est-ce pas? On note bien sûr une baisse beaucoup plus importante chez les patients qui sont sous telmisartan 80 mg, que ce soit pour la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Et surtout, on note une diminution beaucoup plus accrue dans les 6 dernières heures. Donc, cela déjà est un point positif pour le telmisartan. L'étude Amadeo a été faite notamment chez les patients porteurs d'une néphropathie diabétique en opposant le telmisartan au losartan. Et là, pareil, on note une diminution significative. Donc, c'est une étude qui a été menée pendant 52 semaines et une diminution beaucoup plus importante chez les patients sous telmisartan par rapport à ceux sous losartan. Une diminution importante, bien sûr, de la protéinurie. L'étude SMOOTH, cette fois-ci, a été menée chez des patients à la fois hypertendus et diabétiques de type 2. Il s'agissait d'associer dans un groupe le telmisartan 80 mg avec une dose fixe d'hydrochlorothiazide 12,5 et d'autre part le valsartan 160 mg à ce même diurétique. Et là, pareil, les résultats sont probants concernant la baisse de la pression artérielle à la fois systolique et diastolique. On note une baisse beaucoup plus importante chez les patients association telmisartan hydrochlorothiazide par rapport aux patients sous valsartan hydrochlorothiazide. Donc, tout cela nous fait dire que, d'abord, étant donné la demi-vie la plus longue par rapport aux autres sartans, ce qui permet d'éviter les pics tensionnels du petit matin et de ce fait de diminuer le risque cardiovasculaire, d'événements cardiovasculaires, donc soit dans la deuxième moitié de la nuit, soit lors du petit matin. Deuxièmement, du fait de sa forte lipophilie, du fait de sa faible élimination rénale, du fait de sa très forte affinité avec les récepteurs AT1 et aussi de sa réduction maximale de la pression artérielle systolique et diastolique, nous l'avons vu dans les études précédentes par rapport au losartan et au valsartan, entre autres, de son organoprotection rénale avec la baisse de la protéinurie. Et c'est le seul ARA2 à avoir cette activation partielle des PPAR gamma permettant d'avoir une action notamment sur le métabolisme glucidique et lipidique. Nous pouvons dire de manière évidente, faire ce constat évident, le telmisartan est un ARA2 de classe supérieure. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là, parce que cela ne pourrait pas faire justice au telmisartan. Parce que le telmisartan est plus qu'un ARA2. Est-ce que le telmisartan est un anti-hypertenseur de classe supérieure? Donc, nous allons voir cela. Et il faut savoir que de 1998 à 2008, beaucoup d'études ont été faites sur le telmisartan. Nous connaissons tous l'étude OnTarget ainsi que l'étude Transcend sur lesquelles nous allons revenir. Mais sachez que
le telmisartan n'a pas seulement fait ses preuves dans l'hypertension et associé à d'autres facteurs de risque, il a été aussi étudié, notamment avec l'étude Trendy sur la dysfonction endothéliale, sur l'action sur l'athérosclérose et l'hypertrophie ventriculaire gauche, mais aussi des études rénales, notamment les études Amadeo Vivaldi et Innovation sur la micro et la microalbuminurie et la macroprotéinurie, et aussi sur l'insuffisance cardiaque avec l'étude PROFESS et sur d'autres complications cardiovasculaires, notamment la mort subite. Donc, vous voyez que le telmisartan, au vu de ces études-là, nous n'allons pas toutes les voir, bien évidemment, mais a une action vraiment cardiaque, vasculaire, rénale, très, très importante. Alors, que nous dit l'étude OnTarget? Donc, on est à peu près au niveau des années 2000-2008, et à l'époque, on se demandait on avait toujours ce stipula selon lequel les IEC sont supérieurs aux ARA2, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que l'association IEC-ARA2 est bénéfique pour le patient? Donc, pour cela, on a étudié le telmisartan vs le ramipril, ainsi que l'association des deux. Donc, quand vous voyez ici la première courbe, on se rend compte que l'association telmisartan ramipril n'a pas vraiment d'effet supérieur par rapport au telmisartan seul ou bien au ramipril seul. Donc, il n'y a pas du tout d'intérêt à les associer. Au contraire, cela peut potentialiser les effets secondaires. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce graphique ici. Donc, cette étude a été menée pendant environ 5 ans. Et pendant ces 5 années, on se rend compte que quand chez les patients sous ramipril seul, d'une part, et sous telmisartan seul, d'autre part, il y avait quand même une différence significative en ce qui concerne la baisse de la pression artérielle. Elle était bien sûr plus significative chez les patients sous telmisartan. D'autre part, cette étude qui a été publiée en 1998, montrait en fait l'effet du telmisartan vs l'amlodipine. Et là encore, contrairement à ce qu'on peut penser, le telmisartan baisse plus les chiffres de pression systolique ici par rapport à l'amlodipine. Et vous voyez que cette baisse-là est particulièrement, en tout cas, elle est conservée, notamment lors du petit matin. Toujours la même étude. Donc là, on se rend compte que le telmisartan baisse davantage, notamment que ce soit la systolique ou encore la diastolique par rapport à l'amlodipine. Deuxième étude faite, cette fois-ci, c'est l'étude ATOS. Il s'agissait ici de comparer deux associations, telmisartan plus hydrochlorothiazide vs amlodipine plus hydrochlorothiazide. Le constat est le même. D'abord, on constate qu'il y a une baisse plus significative dans l'association telmisartan-hydrochlorothiazide. Ça, c'est d'un. Et deuxièmement, il y a une diminution des effets indésirables, notamment chez les patients âgés. Donc, autrement dit, le telmisartan, l'association avec le telmisartan était mieux tolérée par rapport à l'association avec l'amlodipine. Ici, nous avons l'étude TELMAR. L'étude TELMAR, qui est une étude double aveugle menée chez 140 patients âgés de 18 à 80 ans, hypertendus. Bon, on parle bien sûr d'hypertension essentielle. Il s'agissait ici de comparer en fait l'hypertrophie ventriculaire gauche chez les patients d'une part sous telmisartan et d'autre part sous métoprolol. Alors, on leur a fait une IRM et on s'est rendu compte que la réduction de l'index de masse ventriculaire gauche était plus marquée chez les patients sous telmisartan par rapport au métoprolol. L'étude d'ITEL, c'est une étude multicentrique prospective, la double aveugle, qui a été menée chez 250 patients âgés de 35 à 80 ans, diabétiques type 2, compliqués de néphropathie débutante, deux groupes, telmisartan et enalapril. Il s'agissait ici de faire la comparaison concernant la baisse du débit de filtration glomérulaire. Il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les deux groupes. Cela veut dire quoi? Qu'on peut introduire chez un patient qui a une néphropathie débutante
en première ligne, on peut aussi introduire l'ARA2, à savoir le telmisartan. Alors, l'étude TRENDY, c'est une étude qui a été multicentrique, qui a été menée chez des patients âgés de 30 à 80 ans, diabétiques et hypertendus. Et il s'agissait ici d'évaluer la dysfonction endothéliale en se basant sur trois paramètres. Le flux plasmatique rénal, la filtration glomérulaire et l'excrétion urinaire d'albumine, d'accord, qui ont été considérés comme des reflets indirects de la dysfonction endothéliale au niveau rénal. Alors, qu'est-ce que nous montrent les résultats? En ce qui concerne le flux plasmatique rénal, on se rend compte qu'il est augmenté chez les patients sous telmisartan par rapport aux patients sous ramipril. Deuxièmement, le flux plasmatique rénal est amélioré chez les patients sous telmisartan. D'accord? Et enfin, l'excrétion urinaire d'albumine est diminuée chez les patients sous telmisartan par rapport aux patients sous ramipril. Cela montre vraiment l'impact important, puissant, qu'a le telmisartan sur la dysfonction endothéliale et rénale en particulier. Alors, que dire? Que dire finalement du telmisartan? Est-ce un antihypertenseur de classe supérieure? Je pense que vous conviendrez tous avec moi que oui, absolument. De ce fait, en conclusion, nous pouvons dire que le telmisartan n'est pas seulement un ARA2 de classe supérieure, il s'agit véritablement d'un antihypertenseur de premier choix. En effet, en plus de ses caractéristiques pharmacologiques remarquables et d'une bonne tolérance, notamment par rapport aux IEC et aux inhibiteurs calciques, il permet d'atteindre les objectifs tensionnels plus rapidement d'ailleurs que certains autres antihypertenseurs et de prendre en compte certaines comorbidités du fait notamment de son activation partielle des PPAR gamma. Et cette action cardiométabolique lui permet justement de prévenir les complications cardiovasculaires, rénales et autres, et d'assurer de ce fait une considérable organoprotection. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, docteur Mokam. C'est bon? C'est bon, merci donc. Ok, merci, monsieur. Allô? J'en ai terminé, monsieur le docteur Koulibaly. Docteur Audrey de Saron, il nous a édifié sur beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut peut-être d'ores et déjà effectivement le telmisartan non seulement les cardiostats terminales, nous voyons que le thème par rapport à sans plus tarder, je voudrais donner la parole à notre cher maître, professeur Tia Wei Mélanie. Cher maître, vous avez la parole pour nous présenter l'association fixe amdipine et telmisartan dans la prise en charge de, d'un patient hypertendu. S'il vous plaît, professeur, vous avez le micro pour nous. Merci. Bonsoir, chers tous. Vous me recevez? Bonsoir, chers tous. Est-ce que vous me recevez? Oui, professeur. On vous reçoit bien. Le micro. D'accord, ok. Bonsoir, chers tous. C'est un honneur pour moi de participer à ce panel qui parle de la prise en charge de l'hypertension artérielle avec l'association telmisartan-modipine.
Et en tant que néphrologue, quel est mon point de vue sur cette association? Sur ce, je tiens à remercier les organisateurs et tous les participants à ce panel. Ok. L'hypertension artérielle est définie de façon... Pardonne-moi pour vous interrompre. S'il vous plaît, votre présentation n'est pas visible. Vous partagez votre présentation. Oui, vous partagez votre présentation. Votre diapo, donc, d'accord, n'est pas projeté, donc. Oui. D'accord, j'ai compris. C'est comme on a déjà ça une fois, c'est la même procédure, on va suivre. Oui. S'il vous plaît, cliquez sur partager. Voilà, c'est bon, professeur. C'est bon, professeur. Seulement maintenant, vous mettre en mode de présentation. Voilà, ici. C'est bon maintenant. Oui. C'est bon. C'est bon, professeur. C'est ça bon. Va? Oui, très bien. Oui, on vous retourne bien. On va voir la présentation aussi bien. Merci, professeur. D'accord. Donc, je disais que à travers ce panel, c'était pour donner un peu le point de vue du néphrologue sur l'association des sarcomes amyotrophiques. D'accord. De l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est définie de façon consensuelle par une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure mesurée au cabinet. Il y a eu des modifications en 2020 avec la Société française d'hypertension artérielle. Et donc, au cabinet, c'est lorsque la pression artérielle est supérieure à 190. La mesure ambulatoire sur 24 heures, c'est lorsque la pression est supérieure à 130 sur 80 ou bien par l'automesure 135 sur 85. Il faut dire que cette définition est basée sur l'association d'un sur-risque de mortalité et d'un bénéfice estimé à initier une prise en charge spécifique. Il existe une relation linéaire entre la valeur de la pression artérielle et le risque d'accident vasculaire cérébral et de mortalité par cardiopathie, quelle que soit la classe d'âge. L'objectif donc d'un traitement antihypertenseur est surtout de réduire la mortalité et la survenue d'événements cardiovasculaires. Parlons de chiffres, on sait qu'environ 30% de la population mondiale souffre d'hypertension artérielle, soit 1,4 milliard de personnes. Et l'hypertension artérielle est le facteur de risque évitable le plus important de maladies cardiovasculaires et de décès à travers le monde. C'est le premier facteur chronique de risque d'année de vie perdue, environ 200 par million d'années, tous les ans dans le monde devant la surcharge pondérale, qui est estimée à 160, le diabète à 150, le tabac à 130, l'alcool à 90, le sujet rénal qui est de 60. Le concept donc épidémiologique d'années de vie perdue permet de prendre en compte l'âge du décès en additionnant l'espérance de vie restante des personnes décédées et le calcul des années de vie perdues augmente ainsi l'impact des décès prématurés sur ceux ayant lieu à un âge plus tardif. Sur une période de 10 ans, la prévalence de l'hypertension artérielle a augmenté de 5% dans le monde entier. Cette augmentation est très hétérogène car elle est majoritairement portée par les pays pauvres, soit une augmentation de 8%, alors qu'elle a baissé de près de 3% dans les pays médicalement avancés ou les pays riches. Cette différence pourrait être expliquée par la modification des habitudes alimentaires. En 2020, toujours pour préciser l'ampleur de l'hypertension artérielle dans la population générale, en 2020, chez les patients hypertendus, le contrôle tensionnel, c'est-à-dire inférieur à 140 sur 90, est obtenu chez 50% des sujets qui prennent un traitement dans les pays qui ont les moyens, les pays riches. Grâce à la généralisation des thérapeutiques modernes qui sont les bloqueurs des sérotonine, angiotensine, aldostérone,
ou les inhibiteurs de l'enzyme ou les inhibiteurs calciques et les diurétiques, alors que ce contrôle n'est obtenu que chez 26% des patients hypertendus dans les pays pauvres. Quel est le lien entre hypertension artérielle et maladie rénale chronique? L'hypertension artérielle et la maladie rénale chronique sont intimement liées. Et le néphrologue, quel que soit son domaine d'activité principale, qu'il soit néphrologue adulte, qu'il soit néphrologue pédiatre, qu'il soit médecin spécialiste en dialyse ou en transplantation, a surtout une proportion importante de patients hypertendus qu'il a à charge. Et le patient insuffisant rénal chronique, chez ce patient, plus le débit de filtration glomérulaire baisse, plus la prévalence de l'hypertension artérielle augmente. Il a été constaté que pour une population dont le DFG était inférieur à 60 et supérieur à 15 millilitres par minute, il est constaté qu'il y a plus de 86% qui ont une hypertension artérielle contre 29% pour la population générale. On parle d'insuffisance rénale chronique. On parle de maladie rénale chronique. Depuis peu, une nouvelle classification de la maladie rénale chronique existe. Elle allie le débit de filtration glomérulaire et l'expression urinaire de l'albumine. Ainsi donc, on parlera de maladie rénale chronique au grade 1 lorsque le débit de filtration glomérulaire est supérieur à 90%, associé à des anomalies histologiques, biologiques, urinaires au niveau des patients. Ensuite, on parlera de maladie rénale grade 2, où un débit de filtration glomérulaire compris entre 60 et 89. Et l'état 3, c'est lorsque le débit de filtration glomérulaire est compris entre 30 et 59. Le stade 4, c'est lorsque le débit de filtration glomérulaire est compris entre 15 et 30. Et le stade 5, malheureusement, c'est lorsque le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 15 millilitres par minute. La nouvelle définition donc, de la maladie rénale chronique incorpore l'expression urinaire de l'albumine. L'albuminurie qui est un facteur très important de dégradation rapide de la fonction rénale. Et donc, selon les niveaux de l'albuminurie et du débit de filtration glomérulaire, le risque est faible ou bien le risque est élevé, voire important. Je précise que dans nos contrées, la plupart des patients que nous recevons à nos consultations de néphrologie arrivent avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15%. Et malheureusement, ces patients qui ont un DFG inférieur à 15% sont tous hypertendus, d'où la nécessité de les prendre en charge. Il faut savoir que la maladie rénale chronique et l'hypertension artérielle, la maladie rénale chronique associe un groupe très hétérogène de patients. Quelle que soit donc la cause de la néphropathie, que ce soit une néphropathie glomérulaire, une néphropathie vasculaire ou une néphropathie tubulo-interstitielle, il y a toujours une hypertension artérielle. Et aussi, j'ai précisé le niveau de sévérité, il y a l'hypertension artérielle qui s'associe. Et il faut savoir que chez les patients qui ont une maladie rénale chronique, il y a les facteurs de progression de la maladie rénale chronique au rang desquels se trouvent l'hypertension artérielle et la proteinurie. Donc, l'hypertension artérielle chez le patient qui a une maladie rénale chronique, ça concerne, on va dire, un groupe très important de la population. Les statistiques africaines parlent de plus de 10% en ce qui concerne la fréquence de la maladie rénale chronique dans nos populations. Chez le patient qui a une maladie rénale chronique, les facteurs de risque cardiovasculaire sont très nombreux. En plus des facteurs classiques qu'on connaît, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, l'âge avancé, l'obésité, le tabagisme, le stress vasculaire, la prédisposition génétique avec la découverte du gène APOL1 chez les sujets noirs africains qui les prédisposent. Donc, il existe de nouveaux facteurs de risque cardiovasculaire parmi lesquels l'anémie qui n'est pas mentionnée sur ce tableau. Vous avez les produits avancés de l'application,
le stress oxydatif, l'inflammation chronique chez ces patients et les perturbations du bilan phosphocalcique. Comment explique-t-on l'hypertension artérielle chez les patients qui ont une maladie rénale chronique? Cette hypertension artérielle est surtout multifactorielle. Elle repose principalement sur la rétention hydrosodique, l'activation du serotonine-angiotensine aldostérone surtout, l'activation du système adrénergique et la rigidité artérielle. Chez un patient qui est hypertendu souffrant d'une maladie rénale chronique, les objectifs principaux du traitement antihypertenseur sont deux, à savoir ralentir la progression de la maladie rénale chronique et diminuer le risque cardiovasculaire chez ce patient. Au risque de me répéter, le patient atteint d'une maladie rénale chronique est un patient à très, très haut risque cardiovasculaire. Donc, selon les recommandations européennes, la prise en charge d'un patient hypertendu ayant une maladie rénale chronique débutera d'emblée par la bithérapie fixe. Cette bithérapie qui associe un bloqueur du serotonine-angiotensine aldostérone avec, on va l'associer avec un inhibiteur calcique ou un diurétique. Il s'agira surtout d'un diurétique thiazidique lorsque le débit de filtration glomérulaire est inférieur, est compris entre 60 et 30, et on aura recours au diurétique de Lens lorsque le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30 ml par minute. Et si on n'a toujours pas atteint les objectifs thérapeutiques, on aura recours à la trithérapie antihypertensive associant bloqueur du serotonine-angiotensine et les inhibiteurs calciques et les diurétiques. Et en cas de non-contrôle tensionnel, on aura recours à la quadrithérapie qui associe cette fois-ci la spironolactone ou l'amylorhide ou les antihypertenseurs action centrale ou les alpha-bloqueurs. Telles sont les recommandations de la prise en charge de la maladie de l'hypertension artérielle chez le sujet qui a une maladie rénale chronique. Selon donc le CADIGO, qui est qui régit un peu au niveau mondial tout ce qui est société savante de néphrologie, aujourd'hui, la prise en charge de l'hypertension artérielle est basée encore les recommandations de CADIGO 2021 confirment l'utilisation des bloqueurs du serotonine-angiotensine aldostérone, soit les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine. Alors la question qu'on se pose entre l'inhibiteur de l'enzyme de conversion et le bloqueur du l'inhibiteur de l'angiotensine 2 et l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, quel est celui qui a un haut risque cardiovasculaire? La réponse est donnée par l'étude OnTarget. L'étude OnTarget en 2008 s'est posée comme question principale: est-ce que l'inhibiteur des bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine 2, le telbisartan, est aussi efficace et mieux toléré que le ramipril, qui est un inhibiteur de l'enzyme de conversion? Est-ce que l'association inhibiteur de l'enzyme de conversion et telbisartan, qui est donc le bloqueur des récepteurs de l'angiotensine 2, peut faire mieux qu'un inhibiteur de l'enzyme de conversion seul? L'étude OnTarget était donc une étude d'équivalence entre le telbisartan et le ramipril. Elle a inclus cette étude dans le monde entier, plus de 25 000 patients à haut risque cardiovasculaire, c'est-à-dire
des patients qui étaient porteurs de coronaropathie, d'une artériopathie obliterante des membres inférieurs, d'un diabète de type 2, qui avaient des antécédents d'accident vasculaire cérébral ou des antécédents d'accident ischémique transitoire. C'était une étude randomisée en trois bras. Le premier bras, le bras ramipril 10 mg, a été administré chez 8576 patients. Le deuxième bras, telmisartan 80 mg, a été administré à 8542 patients. Et le troisième bras, c'était l'association telmisartan 80 mg et ramipril 10 mg administré à 8502 patients. L'étude a duré 5 ans et le critère principal était surtout la mortalité cardiovasculaire ou l'apparition d'un infarctus du myocarde ou d'un accident vasculaire cérébral auquel s'ajoutaient les réhospitalisations ou insuffisance cardiaque congestive. Il faut dire que les patients qui avaient été inclus dans l'étude comptable avaient un âge supérieur à 55 ans et un haut risque cardiovasculaire, je rappelle, c'est des sujets qui étaient donc porteurs d'une coronaropathie, une artériopathie obliterante des membres inférieurs. Ils étaient diabétiques de type 2 avec une atteinte des organes cibles. Ils avaient aussi des antécédents d'accident vasculaire cérébral ou d'accident ischémique transitoire. Ces patients avaient en moyenne 66 ans, étaient dans 63% des hommes. Ils étaient coronariens dans 74% des cas et 70 étaient hypertendus et 37 étaient diabétiques. Ils prenaient dans leur arsenal thérapeutique des statines dans 61% des cas et un antiarrhinant capillaire dans 81% des cas et un bêta-bloquant dans 87% des cas. Il faut dire que ces patients avaient comme pression artérielle à l'inclusion une pression artérielle moyenne de 142 sur 82. Et cette pression artérielle a baissé au bout de 6 semaines de 4,3 mm de mercure dans le groupe du ramipril, de 7,4 à 5,2 mm dans le groupe du telmisartan et de 9,8 à 6,3 mm de mercure dans le groupe telmisartan et ramipril. Les principales conclusions de l'étude en target sont que le telmisartan est globalement mieux toléré que le ramipril. Il a moins d'effets secondaires tels que la toux, les angioédèmes qui seraient beaucoup plus fréquents chez les sujets de race noire. En revanche, l'association telmisartan-ramipril entraîne beaucoup plus d'effets secondaires rénaux que le ramipril seul. Et cette association telmisartan-ramipril entraîne deux fois plus d'hypercalémie. À la question de savoir un inhibiteur de l'angiotensine 2 fait aussi bien qu'un inhibiteur de l'enzyme de conversion chez les patients à haut risque cardiovasculaire, tel que le sujet qui est porteur d'une maladie rénale chronique, la réponse est oui. Le telmisartan fait aussi bien que le ramipril en termes de morbimortalité, mais l'avantage du telmisartan, c'est qu'il a moins d'effets secondaires. Il faut dire que cet effet a permis de maximiser, de prioriser l'administration des inhibiteurs de l'angiotensine 2 dans le traitement des sujets de race noire. On récapitule à travers ces diapositives l'utilisation donc des bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine 2 principalement va entraîner donc une cardioprotection
un effet renoprotecteur par la diminution de la pression artérielle, surtout par la diminution de la protéinurie qui n'a pas été démontrée dans l'étude en Tarakette, mais aussi ça a un effet antihypertenseur. Par contre, l'utilisation de tout ce qui est bloqueur du système de l'inangiotensine s'expose à un risque d'hypercalémie, d'insuffisance rénale aiguë. Il faut dire que la raison pour laquelle la plupart des médecins n'ont pas recours à l'utilisation des bloqueurs du système de l'inangiotensine est l'augmentation de la calémie, démontrée ici. Les recommandations de la CADOKI sont une semaine après avoir démarré le traitement par les bloqueurs du système rénal angiotensine, il faut monitorer le ionogramme. Et si ce ionogramme montre un potassium qui est compris entre 5,1 et 5,5, il faut supprimer tous les autres facteurs qui sont responsables de l'augmentation de la calémie, s'assurer que le prélèvement n'a pas été fait avec un garrot, s'assurer que le patient n'a pas un régime qui est riche en potassium, s'assurer qu'il ne prend pas d'autres médicaments qui peuvent faire augmenter sa calémie. Et si le ionogramme met en évidence une calémie qui est supérieure à 5,5, il faut réduire les doses des bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine ou bien il faut réduire les doses d'IEC. Selon les recommandations de l'ESH 2020, le meilleur traitement antihypertenseur, quel que soit le type, que ce soit dans la population générale ou bien chez les sujets particuliers tels que les insuffisants rénaux ou bien chez les sujets de race noire, le traitement doit pouvoir avoir une amélioration de la morbimortalité. Ce médicament doit être pris sur 24 heures en une seule prise et ce traitement doit être abordable et il doit être très bien toléré. Lorsque vous parcourez les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, dans leur protocole de prise en charge, le protocole conseillé dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Les propositions qui sont faites concernent surtout l'utilisation du telmisartan avec la modipine ou l'utilisation du lisinopril associé à la modipine, ainsi que les associations telmisartan avec l'hydrochlorothiazide ou lisinopril avec l'hydrochlorothiazide. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Le patient qui a une maladie rénale chronique au stade 3 ou 4 est à très, très haut risque cardiovasculaire et 90% risque d'être hypertendu. Et ces patients, dans un cas sur deux, risquent de mourir d'une atteinte cardiovasculaire. Et l'hypertension artérielle représente le principal facteur de risque contrôlable. Pourtant, cette hypertension artérielle est contrôlée chez moins de la moitié des patients dans les pays riches. Dans nos pays, cette hypertension artérielle est contrôlée chez un patient sur quatre. Il est donc possible d'agir pour diminuer les événements cardiovasculaires très fréquents chez ces patients, d'avoir recours aux médicaments qui sont bien tolérés, qui sont disponibles, qui peuvent être utilisés de par les bouffes. Sur ce, l'association telmisartan amlodipine, telle que le recommande l'Organisation mondiale de la santé, pourrait être une alternative dans la prise en charge de l'hypertension artérielle chez le patient qui a une maladie rénale chronique, même si jusque-là, il n'y a pas eu de recommandations formelles, que ce soit au niveau régional ou international. Je vous remercie.
Nous vous remercions, professeur Tia, de votre présentation. Et tout en réitérant que on ne cesse de remercier la Providence que vous soyez parmi nous pour nous édifier par rapport voilà, aux recommandations et par rapport aussi à l'évolution en tant que telle de la maladie rénale dans le monde, même que ce soit en Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest. Donc, merci pour la présentation. Et comme on l'avait souligné par rapport au docteur Audrey, qui nous a bien édifié par rapport aux études qui ont été faites, et surtout sur le plan cardiaque, et par rapport aussi à la réduction protéinique chez nos patients. Donc le professeur vient de nous édifier encore que, certes, c'est vrai que la maladie, l'HTA est un facteur de risque cardiovasculaire, mais est-ce que jusque-là, à travers... l'atteinte de cette présence, la présence de ce risque cardiovasculaire dans la population mondiale, est-ce qu'il n'est pas peut-être lieu de dire que peut-être ça fait partie des pathologies de santé publique entre guillemets. Donc, on vous remercie, professeur. Et si vraiment s'il faut donc, sans plus tarder, nous allons peut-être... il y a des questions qui ont été posées. Donc, des questions qui, dans les différentes présentations, ont été presque répondues. C'est concernant le telmisartan, l'avantage du telmisartan par rapport aux autres antagonistes de l'arénine-angiotensine, qui sont le losartan et le ramipril. Donc, je ne sais pas si le docteur Audrey peut encore nous rappeler sur les avantages par rapport à la dernière diapositive qu'elle nous a présentée. Et aussi, il y a aussi un autre participant, docteur Freddy, qui a parlé de l'association de l'amlodipine et du telmisartan, dont le professeur, notre cher maître vient de nous édifier par rapport à ça, son avantage. Mais une autre question qui s'adresse au professeur, et toujours par le docteur Freddy, il pose la question, quel est le choix pour un patient qui est hypertendu, qui vient d'être détecté pour... qui vient d'être diagnostiqué diabétique. C'est-à-dire, si je comprends bien la question, il demande quel choix thérapeutique par rapport à la prise en charge de l'hypertension artérielle d'un patient qui est suivi depuis très longtemps pour une hypertension artérielle et qui vient d'être détecté, qui vient d'être diagnostiqué diabétique. Donc, je pense que, professeur, si vous pouvez nous répondre par rapport à cette question. Je peux y aller. Oui, vous pouvez aller, professeur. Les recommandations sont très claires, que ce soit un patient diabétique ou non. Le plus important dans hypertension artérielle maladie rénale chronique, c'est bloqueur des récepteurs. Ce sont les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Soit un IOC-1-ARA2 associé à un inhibiteur calcique. C'est ça les recommandations de 2021, même du CADIGO. Peu importe que le patient soit. Initialement, c'était les patients diabétiques. On priorisait l'administration des IEC ou des ARA2 avec les inhibiteurs calciques. Mais aujourd'hui, c'est généralisé à tout le monde. D'accord. Alors, merci, professeur. Une autre question que moi-même, je vais vous présenter parce que, voilà, donc, en tant qu'un peu néphrologue, nous voyons que le patient est dialysé. Des cas particuliers des patients dialysés chroniques qui sont hypertendus, qui ont été pris, dont la néphropathie initiale est la néphropathie vasculaire, et qui souvent sont, malgré la dialyse, hormis les autres facteurs liés à la boulimie ou autres par rapport à l'élévation de la pression artérielle. Et est-ce qu'il faut privilégier ces ARA2, à l'occurrence le telmisartan? Ou bien est-ce qu'il faut aller avec les inhibiteurs calciques ou bien il faut les associer? Parce que nous pensons que la plupart aussi de ces patients, peut-être
voilà, décède à cause de l'atteinte cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'il faut privilégier dans ce cas particulier, professeur? Retenez trois choses. Le patient en dialyse aussi, la prévalence de l'hypertension artérielle est très importante. Dans notre contexte, où ils sont sous-dialysés, la quasi-totalité sont hypertendus. Si vous avez agi sur les paramètres de la dialyse en faisant de l'UF, vous avez atteint le poids sec, il y a une hypertension artérielle qui demeure. On a dit que c'est une hypertension artérielle multifactorielle. Entre les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les ARA2, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, à un moment donné, peuvent être, il faut l'adapter en pré-dialyse à la fonction rénale. Et en dialyse, ces inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont dialysables, alors que les antagonistes et récepteurs de l'angiotensine 2, quel que soit le type, n'a pas besoin d'adaptation en pré-dialyse et en dialyse ne sont pas dialysables. Mm-hmm. Du coup, il y a une supériorité. Du coup, l'utilisation des ARA2 chez les patients en dialyse constitue la classe thérapeutique de choix chez ces patients-là. D'accord. Merci, cher maître. Merci, professeur. Et voilà. Donc, nous allons passer la parole à M. Léopold du Cameroun pour peut-être. Parce que je vois pratiquement des questions ont été posées, mais voilà, je vois pratiquement plus de questions par rapport à. Voilà, par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc, nous passons le micro à M. Léopold, voilà, qui a des mots à dire par rapport à ce webinaire, et voilà, pour clôturer. Et encore merci, professeur. Merci à Dr. Audrey pour sa brillante présentation et surtout par rapport aux dernières recommandations. Merci. Merci. Et je dis merci. Au laboratoire MicroLab, merci à tous les organisateurs, merci à tous les participants, également à tous les médecins camerounais qui sont connectés. Et vous dites, dans les différentes pharmacies au Cameroun, que ce soit Abitel 40, que ce soit Abitel 80, que ce soit l'association avec l'hydrochlorodiazide Abitel 80 associé à 12.5, que ce soit associé à la atorvastatine, nous avons donc dans toutes les pharmacies disponibles dans toutes les différentes régions au Cameroun. Et pour terminer, ces produits n'ont pas de problème d'efficacité, sa disponibilité et le prix est également accessible à tous les patients. Donc, nous demandons tout juste à nos chers médecins de continuer à soutenir Maïko de par la qualité des médicaments, de continuer à soutenir le laboratoire de par la disponibilité des produits disponibles dans les différentes pharmacies. Donc, disons également merci à tous nos organisateurs qui continuent également à nous à continuer avec des prochaines webinaires qui constituent un socle pour nous de continuer à apprendre, de mieux connaître les nouvelles études qui sont disponibles. Donc, merci à tout le monde. Merci également à M. Narendra. Merci également à M. Narendra et à S. Davinda. Merci à tout le monde. Bonne soirée, excellente soirée à tout le monde. Merci, M. Léopold. You want to say something? Moi? Yeah, sure. Juste remercier les organisateurs. Merci de m'avoir. Okay. First of all, it was a good session, elaborated discussion that happened. So I would like to thank the moderator, Dr. Kolibeli. And two eminent speakers, Dr. Audrey and Professor Tia. So I would like to thanks a lot. And I would like to thank the African team for arranging such an event. Hope to see more and more event and learn a bit of French when I come in the next meeting so that I can understand what the doctors are discussing. So it was good. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Merci, Professor Tia, for a well presentation. Merci, Dr. Audrey, for a very well presentation. Merci, Dr. Kulivali, for one moderation decision. Merci, participant. Merci, Bureau Hill. Merci, Atos, for both participants. Sir, you want to say final comments to
the attendees and the panelists? Well, a lot has been covered, and my sincere thanks and appreciation to each one of you. Have a good afternoon, good evening, and good night. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Merci, Doc. Merci, tout le monde. Merci. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Ok. Okay, merci à tous. Au revoir. Merci, docteur. Merci. Merci, merci, professeur. Merci, professeur. Très honoré de vous connaître. Merci, Dr. Audrey. Thank you, Dr. Manjula. Thank you, Dr. Audrey. Thank you, Dr. Tia, Professor Tia, and Dr. Kalibali. Thank you. Excellent session. And entire team of Africa, well done. The participants, all the doctors who participated, really made it very interesting and interactive, asking very useful questions, very practical questions. Thank you so much to everyone. Thank you. Thank you, Dr. Manjula, for